toujours là où on m'attend pas. Voilà, alors aujourd'hui, tout à fait différent, rien à voir avec le passé. Ce matin, j'avais préparé tout un programme pour vous faire donc les vidéos sur le. Suivez le lapin blanc. Et au final, il s'est passé quelque chose très important. J'ai reçu des messages. On m'a dit stop. Il faut que tu t'arrêtes tout de suite. Stop. Alors je me suis dit, mais pourquoi je reçois, pourquoi on me dit ça? Et j'ai compris. Forcément, ça fait des jours que je demande à faire vivre des choses, à faire naître des choses et tout. Et on m'a dit, bah voilà, ça y est, c'est arrivé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est à toi de décider. Soit tu continues dans la voie où tu étais parti et tu seras jamais en paix avec toi-même parce que tu auras toujours un problème qui va te tracasser. Tu auras toujours le mental qui va venir te déranger. Tu auras toujours l'ego qui va vouloir mettre sa place. Ou tu arrêtes tout maintenant. Tu mets le système de côté, mais complètement. Peu importe que ça joue, que la pièce de théâtre dehors, elle joue bien ou qu'elle joue pas bien, c'est pas ton problème. Non. Toi, tu veux que le monde évolue et tu veux évoluer avec lui. Donc à partir de là, tu laisses tomber tout ce qui était en dehors de ce monde que tu veux voir naître, que ce soit bon ou mauvais. Tu laisses tout tomber. Tout, ça ne t'appartient pas, ça ne te concerne pas. Tu ne t'y attaches pas, tu ne fais rien, même parce que même si tu t'y attaches pas, mais rien que le fait d'en parler, tu le fais vivre encore plus. Donc tu rentres dans le jeu du je ne veux pas, mais du fait que tu en parles, et ben tu le fais quand même. Donc si tu veux vraiment que ça marche, tu arrêtes tout. C'est toi qui vois. Je te conseille. C'est toi qui vois. Ben, je l'ai pas fait. J'ai tout arrêté, j'ai tout enlevé, je me suis désabonnée des groupes, je me suis mis dans d'autres groupes qui étaient plus en adéquation avec ce que je veux maintenant, voire maintenant. Ce confinement est au final une très bonne chose parce que waouh, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je reçois comme message, c'est hallucinant. Et donc on m'a dit, tu peux aider les gens autrement, tu peux les aider en les conseillant, en leur apportant de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, vu que tu as Facebook, profites-en pour montrer des belles choses plutôt que des choses qui peuvent être positives pour certains, mais qui peuvent mettre le doute pour d'autres, enfin bon, qui n'ont rien à voir avec le système. Poste des choses qui sont positives, et la joie, et le bonheur. Et puisque tu sais écrire, c'est ce qu'on m'a dit. Puisque tu as une jolie plume, profites-en avec les images pour mettre des messages de bonheur, de joie, d'espoir. Voilà comment tu peux aider les gens. Si on vient te voir pour te demander de l'aide, pour te demander un conseil, fais-le. Aide-les. Dans la mesure de tes moyens, aide-les. Si tu sens que tu n'es pas capable ou que tu ne peux pas, tu n'acceptes pas. Ne force pas la main des gens. Les gens viendront ou pas. C'est eux qui décident, c'est eux qui voient. Ils n'ont pas. Enfin, tu n'as pas besoin d'aller les chercher. Ils viendront à toi ou pas, s'ils décident qu'ils doivent venir à toi. Voilà. Donc, pour le reste, même si ça se fait pas maintenant, même si ça se fait pas tout de suite, même si ça se fait pas là tout de suite. Et confiance en nous, on est là. À partir du moment où toi, tu prends la décision de laisser tomber le système complètement, 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 c'est-à-dire de ne plus y adhérer du tout déjà, tu avais fait un bon chemin, tu étais sur le chemin déjà en semant des graines qui poussent, et ce n'est pas qu'un faible mot de le dire, des graines qui poussent, que ce soit en théorie ou en pratique. Mais maintenant, il te reste une chose à faire, c'est-à-dire laisse tomber tout. La seule chose qui doit compter pour toi, c'est toi-même,
d'abord ta famille, ce que tu aimes, et point. Le reste, tu laisses de côté. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les gens qui souffrent, pour les gens qui ne sont pas bien dans ce monde. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais si toi, tu veux évoluer, il faut que tu abandonnes définitivement ce système. Et abandonner ce système, ça veut dire ne plus y adhérer du tout, même de la façon que tu le faisais, c'est-à-dire en dénonçant. Parce que même en dénonçant, tu y adhères quand même. Tu ne veux pas adhérer, tu arrêtes de dénoncer. Si vous saviez le soulagement que ça m'a fait, wow, je me suis sentie libérée d'un poids, d'un coup, et je me dis, bah ouais, voilà, bah ouais, bah ça colle tout à fait avec le message de l'univers de l'autre fois. Alors voilà, je suis à votre disposition si je peux vous aider ou vous être utile. Les guides m'ont dit que que je pouvais le faire. Donc si je peux vous aider en quoi que ce soit, d'une manière que ce soit, de quelque façon que ce soit, à partir du moment où ça ne concerne pas le système actuel, que ça ne concerne pas ce qui se passe actuellement, bon ou mauvais, eh ben je suis ouverte à toute question. N'hésitez pas à poster vos questions, à demander ce que vous voulez, je sais pas, tout ce qui vous passe par là, enfin tout ce qui vous passe par là, façon de parler. Mais voilà, j'ai le feu vert, puisque j'ai confiance et que j'ai tout laissé tomber. Donc, j'ai pris ma décision définitive et irrévocable aujourd'hui, avec vous, à cet instant. À bientôt.